Eh bien, salut tout le monde, c'est Moonwalker, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le live. Donc, comme la semaine dernière, un live session de du week-end. Donc là, ça sera toujours en trois parties, mais ils seront un peu plus petites les parties parce que j'ai fait le live pendant 1h14. Donc, une partie durant environ 25 minutes à chaque fois. Donc au début, bah en fait, je sais pas en fait comment faire à chaque fois pour faire mes vidéos comme ça le week-end pour la semaine. Pour les lives, parce que au final, en fait, vous allez voir, c'est pour ça que je fais un commentaire en début. Parce qu'au début, la première game, je parlais pas beaucoup parce que voilà, je savais pas si je devais faire un live ou prendre les meilleures games et après, voilà, faire. Voilà, je sais pas comment faut faire en fait pour le moment. Donc voilà, peut-être faire des trucs plus courts, je sais pas, franchement, je sais pas. Donc je fais au feeling, puis là, voilà, vous allez voir 1h14 de jeu. Et puis la semaine prochaine, je sais pas comment je vais faire encore, donc on verra bien. Donc dites-moi un peu comment vous aimez, vous, si vous aimez bah, les lives là en plusieurs parties, là ça va faire 25 minutes à chaque fois, les parties à chaque fois. Ou si vous voulez que je prenne les meilleurs games, ou je sais pas, ou que quand je joue le week-end, je me dise pendant une demi-heure, je fais en live, mais que du début à la fin, que voilà, que je fasse une bonne intro vidéo, que je fasse une bonne fin vidéo. Parce que là, en fait, là, il n'y a pas de début de vidéo, il n'y a pas de fin vidéo, en fait, parce qu'au final, je me recorde la voix. Je me dis que ça va faire en live, puis après je me dis que ça va pas faire en live, puis au final je vais tout mettre, donc voilà. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous préférez, vous. Et puis voilà. Donc voilà, première chose. Après il y avait quoi encore que je devais dire. Ouais, dans la première game, là, je sais pas si vous avez vu, mais dans l'accueil il y avait Nakaze. Donc je sais pas si c'était lui. Donc je lui ai un peu parlé vite fait sur Twitter pour savoir si c'était lui ou pas. Parce que dans la game, à un moment, quand, au moment où il a quitté, en fait, je vais dire un truc. Après c'était pour rigoler, parce qu'il y en a, ils vont toujours prendre au sérieux ce que je vais dire, mais c'était pour rigoler, d'accord les gens, faut pas, hein, ok, voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, ah, du brin, et voilà, c'était pour rigoler, donc, je pense que c'était Nakaze, c'était le vrai, de toute façon, le vrai, je lui ai demandé sur Twitter, mais apparemment, c'était lui, donc, voilà, donc, au moment où je vous fais le commentaire, hein, d'accord, après, peut-être que c'était pas lui qui jouait, je sais pas, I don't know, mais je pense que c'était lui, et puis, voilà, donc, voilà pour ça, donc, c'était pour rigoler, ce que je vais dire, donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'avais à dire faut que je me rappelle. Ouais, le pompe. Le tac 9. Ce fameux tac 9. Donc, je pense avoir eu la meilleure version du tac 9 possible sur Advanced Warfare. Donc, il y a les versions élites, les professionnels, les. Je sais plus comment ça s'appelle, les autres trucs. Enlisted en anglais. En français, j'en sais rien, c'est quoi. Mais les élites, la version élite du tac 9 que je n'ai jamais eu, mais en voyant leur stage, ils ont nul. Vous allez voir là dans la deuxième game. Qui va y avoir dans la première partie du live, je vais être avec le TAC 9 Uppercut, donc c'est une version professionnelle avec plus un dégât. Attendez, que je pense qu'en même temps j'ai le jeu juste à côté de moi qui est ouvert, parce que là je suis en train de faire le commentaire chez moi, comme ça c'est fait, puis comme ça quand j'arrive lundi à l'université, j'upload à l'université, parce que voilà, Ascatra, comme vous savez, j'ai pas une grosse connexion, c'est niveau de l'upload, j'ai pareil que chez moi, donc 0,8 en upload, alors que là, l'université ils ont la fibre, donc sans upload. Donc ça va super vite, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Pour ça j'arrive lundi, je lui plot tout pour la semaine, puis après je mets en ligne au fur et à mesure. Donc là que je voyais les stats de l'Uppercut, donc plus 1 en dégâts, plus 1 en précision. Bon, par contre il y a moins 1 en portée et en mobilité. Le seul truc qui dérange, on va dire un peu, c'est le moins 1 en portée, mais au final quand vous mettez, je sais plus comment ça s'appelle en... C'est rainure avancée, voilà, en français, voilà. Ça fait plus 2 en portée, donc vous récupérez les moins 1 et vous avez même plus 1 au final. Et en plus, le plus 1 de dégâts fait vraiment du bien. Après, la précision, moi, j'aime bien que la précision soit augmentée parce que je vise beaucoup, moi, avec le pompe. Donc, ça me favorise très bien. Donc, voilà. La seule vraie version du TAC 19, plutôt, que vous devriez avoir, c'est la Uppercut. Donc, de toute façon, vous verrez dans le gameplay d'après. En plus j'avais même pas encore tous mes accessoires, j'ai fait une bonne game quand même, mais après il va y avoir encore une autre game au TAC 19 dans le live, dans la dernière partie du live. De toute façon vous verrez, en plus ce qui est bien dans le live c'est que ça a vraiment bien séquencé, vous allez voir la première partie du live, les 25 premières minutes, je parlais pas forcément beaucoup, puis c'était des games pas trop mal. La deuxième partie du live c'est le moment où je commence à vraiment parler, mais vous allez voir ce qui va se passer, c'est vraiment... Je vous dis rien, mais regardez franchement la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est là où c'est la revanche, on va dire, par rapport à la deuxième partie. Je vous dis, en dis pas plus, mais plus ça avance, plus c'est du lourd, d'accord les potes. Puis voilà, c'est pour ça qu'il faut regarder. Bon, après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément le temps pour regarder des vidéos de 25 minutes, etc.
Moi j'ai toujours le temps, donc je pense que vous aussi vous aurez le temps. Enfin, moi je pars du principe que quand on est abonné à une chaîne, on regarde toutes les vidéos et du début à la fin. Moi il y a des. Dans mes abonnements, comme j'ai déjà dit, moi il y a des gens ils mettent des vidéos de 1h, 30 minutes, je les regarde en entier, je m'en fous moi. Je suis abonné, je regarde. Après il y en a qui aiment moins bien, c'est normal, mais bon voilà. Quand vous êtes si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous aimez ma façon de jouer, ma façon de penser, ma façon de faire les vidéos, donc voilà. Après il y en a peut-être qui en a vous aimez moins que d'autres, moi aussi moi quand je regarde les vidéos de mes abonnements, il y en a qui me plaisent moins d'autres, mais voilà. Faut soutenir, comme ça on fait encore mieux, voilà, faut pas. D'accord. Parce que vous allez voir, je vais dire beaucoup. Pendant la vidéo, je vais dire à chaque fois, je vais parler de mon niveau et de la connexion. Parce qu'il y a un commentaire dans ma dernière partie du. Dans ma dernière vidéo, tout simplement, je vais dire. Dans la partie 3 de mon dernier live, il y avait un commentaire, donc vous pouvez aller le voir. Donc dédicace à toi. Hein. C'est. Parce que je vais souvent en faire en référence, mais pas en sans en parler directement. Je vais en faire référence en disant des trucs. Sans la personne qui a mis le commentaire comprendra, je pense, si elle regarde la vidéo. Jusqu'en entier. Mais voilà, son commentaire pour moi, ton commentaire si tu en gardes, il n'a pas lieu d'être. Parce que si tu connais vraiment bien le jeu, la façon dont il est fait, le matchmaking, comment il est fait, ma connexion si tu la connais vraiment et tout, t'as pas le droit de dire ça. Et je pense que tu parles en étant perverti par d'autres personnes et en regardant des autres vidéos d'autres youtubeurs qui font forcément des choses, mais pas de la meilleure des façons et en profitant des faiblesses du jeu. Donc voilà, je vais pas à chaque fois me justifier, me répéter sur des trucs que j'ai déjà dit plusieurs fois dans des commentaires, etc. J'ai déjà dit, s'il y en a qui veulent pas comprendre, ben tant pis pour eux, hein, puis je m'en fous. Vous pouvez vous désabonner, puis tout, puis voilà. Mais voilà, voilà par rapport à ça, donc le tag 19 de fou, là, le commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Après, je sais plus qu'est-ce que j'avais, si j'avais encore des choses à dire. Je pense que j'ai tout dit, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, aussi, ouais. Moi je pars du principe que dans mes lives, voilà, parce que je sais que, voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu ce commentaire là, c'est que moi, je suis là pour montrer tout ce que je sais faire avec mes bons moments et mes mauvais moments. On n'est pas tous toujours à 100% à chaque moment. Par exemple, bah, dans ma dernière partie du live, de ma dernière vidéo, la partie 3, de mon dernier live, je l'avais dit en intro de la première partie que voilà, la dernière partie, j'ai été moins concentré parce qu'il y avait ma mère qui était là, donc voilà, j'étais moins concentré, j'étais moins dans le jeu. Et je l'ai dit pourtant, mais après, il y a encore des gens qui arrivent à dire des choses sur mon niveau, alors que je l'ai dit que j'étais pas concentré, on n'est pas toujours à 100% quand on joue. Et moi, voilà, moi, j'ai envie de montrer mes bons moments et mes mauvais moments, parce qu'on peut pas être toujours à 100% tout le temps, ton équipe, elle peut être toujours pas à 100% tout le temps, tu peux toujours gagner. Alors que la plupart des gens sur YouTube, à chaque fois, ce qu'ils montrent, c'est leur meilleur game, alors que 80% du temps, ils font de la merde, et 20% du temps, ils arrivent à faire une bonne game. Alors que moi, voilà, moi, je... Même si, quelquefois, j'y arrive pas, voilà, je préfère tout montrer, comme ça, vous savez. Et puis tout, et puis voilà. Moi, je choisis pas, je montre. Puis, voilà, après, je sais pas comment expliquer vraiment, mais je pense que vous m'aurez compris, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Puis pour les autres, voilà quoi, faut réfléchir un peu, voilà. Faut réfléchir et pas se faire pervertir par les autres. Bon après, peut-être que vous faites pervertir par moi, j'en sais rien. Mais voilà, moi je vous incite à la réflexion. Et que voilà, on peut pas être toujours à 100% tout le temps, il y a des sauts de concentration, c'est normal. Puis voilà, puis c'est pas de ma faute si je perds, on perd les games, hein. Ok. Et puis voilà. Je pense avoir tout dit, hein. Ouais. 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 Puis voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Il y aura peut-être des vidéos sur des jeux PC, peut-être. On verra comment ça avance, parce que comme j'ai dit, en semaine, je joue sur PC, et vu que je prends pas ma PlayStation A3 maintenant. Et donc, voilà, donc, ouais, je pense avoir tout dit. Donc n'hésitez pas à poser des questions si ça n'a pas été forcément clair ce que j'ai dit. Si vous avez des suggestions pour les prochaines semaines, par rapport aux vidéos que je tournerai le week-end sur PS4. Et puis voilà, donc voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, qui fait toujours plaisir, hein, qui m'aide, enfin qui aide la chaîne et qui me booste moi pour faire encore plus de vidéos. La faire partager, bien sûr, la vidéo. Et puis de vous abonner pour les nouveaux. Sachant que voilà, moi, il restera toujours dans la bonne direction, on va dire. Toujours jouer pour la gagne, parce que c'est pour ça qu'on joue à un jeu. Et pour le fun, et je prends du plaisir à jouer en jouant pour la gagne. Après, il y a des gens qui jouent. On s'en fout. Allez, je me répète tout le temps, allez. Au revoir les gens. Hostiles have captured the hard point.
Oh, j'étais bloqué. Putain, je voulais les points là, fils de pute. Il a pas pris, c'est pas normal. A chaque fois, corps à corps, ça finit comme as, c'est pas normal. Oh, il y a des gens, c'est des vrais connectos. Le mec, il met un mic de balle, bloup, tu tombes. UAV is online. Enemy UAV above. Soul. Looks like you just added a few. Domination. Capture and defend the flags. Securing Charlie. We've taken the lead. Charlie, secure. We lost A. Securing B. Enemy has B. Alpha, secure. C'est pas normal. UAV ready. Losing Alpha. Our UAV is online. Oh là 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 là, je suis de la merde. Hostile and dry room. Enemy taking A. We lost A. We lost Alpha. Friendly missile strikes inbound. Securing Alpha. UAV is online. Enemy taking Charlie. Lol. UAV recon standing by. We lost C. Enemy UAV online. Enemy has Charlie.
Non! Il faut prendre le point B là. Securing Bravo. Losing Alpha. B secure. We lost Alpha. Enemy UAV above. UAV in waiting. Enemy has A. Our UAV is online. Securing A. Our UAV is online. Securing A. Alpha secure. Du cul. C'est nimp, la première à aller dessus. Securing Alpha. Enemy taking Bravo. We lost Bravo. Bien joué, gros. Alpha secure. Friendly UAV above. Losing Alpha. Bien joué, la quad. J'avais pas vu. Losing A. Friendly UAV above. System hacked. Enemy exosuits have been disabled. Friendly UAV above. Mais putain! Enemy taking Alpha. Mais putain! Enemy exosuits have been disabled. Securing C. UAV in waiting. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Enemy in storage room. Oh. Securing C. Charlie secure. Losing B. We lost B. C'est suicide. Enemy has B. Half time. Lol. Je sais pas combien je fais, mais c'est. La lagué, mais lol, c'est n'importe quoi. Domination. Capture and defend the flag. Friendly UAV above. Securing A. We have the lead. Alpha secure. Enemy has Charlie. System hacked. Enemy equipment has been disabled. Friendly UAV above. Enemy has Bravo. Senna, pète les couilles. La tête, elle s'est pris dans le truc. Friendly UAV above. Ta merde, toi. UAV ready. Enemy UAV online. One clearing the way. Securing C. Our UAV is online. Il faut prendre C. Hein. On dit tu, on le prend. C secure. Enemy taking Bravo.
Losing C. Losing A. Non, mais je saute, je me prends... La tête, elle se tape contre le mur. Enfin, contre le plafond. Je... Ça pète les couilles. Allez, saute, putain. Pas quelqu'un, là? Non. UAV is online. Mais, oh là là. Ça gave, hein. Ça gave! Il me faut vite la poignée là, ça me saoule. Trop lent, trop lent. Losing Bravo. We lost Bravo. Enemy has B. Mais c'est quoi là, là? Je suis en dessous, il met au dessus. Je ne merde. Ça me saoule quand ça fait ça. Securing C. Enemy taking alpha. Pas l'impression de courir super vite en fait. Our UAV is online. Losing alpha. UAV ready. Oh, il y avait personne, t'es un mytho le jeu. System hack. All hunts enemy has AV. Puis on se prend ça, t'sais. Enemy taking A. We lost what? Securing A. Alpha secure. Mais vas-y, je suis de tension là. Securing Charlie. Losing A. We lost A. We lost Alpha. Eh, c'est chaud, hein. Faut pas se laisser reprendre. C'est pas parce qu'on gagne de 40 points qu'on va gagner, hein. Securing Alpha. UAV recon standing by. A secure. Friendly UAV above. Losing B. Allez. Quand j'ai plus de balles. Pêcher vite fait, il me faut. Il me faut vite chargeur grande cap, bon, putain. Enemy taking A. They're hurting. Il y avait personne, t'es un mytho. Our UAV is online. C'est bon. Securing Charlie. Losing Bravo. Oh là là. Lol. UAV ready. Securing Bravo. Ah c'est bon, il y a personne. Trop fort. Non, je déconne. Enfin, pas loin. Mais j'y ai les chals si je me prends le mur. Allez, encore. Oh, c'est là, c'est pas grave. Hey, deux balles de pompe, hein. Deux balles. Way to tear it up, Sentinel. Trou du cul. J'ai décollé, j'ai décollé. S'il y a dans les collés, dit
Là. Merde. Trop bien.